el tiempo en el reloj. Para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como antes. Flaco, le seul intérêt qui me motive, c'est de parler avec vous d'affaires, rien d'autre. Le mieux, c'est que tu t'en ailles. Ici, on ne veut pas refaire affaire avec quelqu'un comme toi. Attendez, au moins, écoutez ce que je suis venu vous dire, parce que croyez-moi, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de fric en jeu, voilà. C'est moi l'organisateur de ce concert, parce que... Eh bien, parce qu'il s'agit évidemment de fêter l'anniversaire de mon programme, et moi, je veux absolument que le groupe Nietzsche y soit. Que vous soyez les invités d'honneur du concert, hein, c'est une belle offre, non? Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mon gars, mais c'est que l'on ne veut plus avoir affaire avec toi, hein? Non, une minute, les gars. On va l'écouter. Non, une seconde, pourquoi on écouterait encore une fois beugler ce type? Pour qu'il continue à nous enfumer comme toujours, qu'il continue à nous escroquer et à nous rouler dans la farine avec les conneries qu'il nous raconte tout le temps? Non, monsieur. Écoutons ce qu'il a à dire. Enfin, s'il vous plaît. Écoutez un peu, Ivan, c'est un homme doué de raison. Je te remercie infiniment, Ivan. Merci de m'écouter, et voilà, et j'en profite pour vous dire que vous êtes vraiment très beaux tous ensemble, comme sur une photo. C'est bon, là, arrête de faire le lèche-botte et sois direct. Quel type de contrat tu veux? Dis-moi, j'ai l'impression... qu'ils chantent pour toi et qu'ils sont en train de te dédier la chanson. Oui. Tu trouves pas qu'Amadeo est spectaculaire? Eh bien, on peut pas dire que ce soit réellement spectaculaire. Mais bon, s'il te plaît beaucoup, je n'ai rien à ajouter. Et tu es avec lui seulement pour rendre jaloux Roberto? Oui, car j'adore le voir souffrir. Je vais pas le nier. Et je pense qu'il est grand temps que je me venge un peu après tout ce qu'il m'a fait vivre, pas vrai? Ben, je sais pas, si c'est ce que tu veux vraiment, ça va. Mais je ne voudrais pas que ça se retourne contre toi par la suite. Qu'il se rende compte de la supercherie et te fasse souffrir encore plus. Mais ça, tu ne crois pas que j'y ai pas déjà pensé, Pépé, mais bon, j'en ai rien à faire. Tu sais, j'en ai assez de garder mon sang-froid et les apparences parce que la vie passe vite, en un clin d'œil. Et tu vois, si je ne prends pas les choses en main, je ne suis pas sûre d'obtenir tout ce dont j'ai envie, tu comprends? Et si... ça finit par me retomber dessus, c'est pas grave, parce qu'au moins, tu vois, j'aurai la satisfaction d'avoir tenté quelque chose. Oui, bien sûr. Et en plus, cet homme, il est tellement bon, tellement merveilleux. attendez un instant. Mon cher Ringo, t'es pas du tout dans le rythme, mon gars. Amadeo, excuse-moi. Ce qu'il y a, c'est que j'étais en train de penser à la grande et j'étais tout excité. Non mais, voilà, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Alors, on va recommencer de là, ok? C'est bon? Aïe, aïe, aïe. Et un, deux, trois, quatre. T'en penses quoi? Non, eh bien, on dirait bien que tout est normal. Oui? Oui. Il n'y a pas de nom étrange, ni de clause suspensive, ni de bizarrerie, ni rien. Non, mis à part le fait que cela vienne de cet escroc, tout est normal. Ah, alors d'accord, on va signer le contrat. Non, mais attends, signe bien toutes les pages du contrat. Allez. Messieurs, s'il vous plaît, changez cette idée que vous non, avez. Non, bah voyons. Eh bien, merci beaucoup. Le stylo, merci, c'est très gentil. Au revoir, mon cher producteur en chef, voilà. Voilà, ici, vous avez le contrat signé par les deux parties. Moi, j'attends que vous fassiez parvenir une copie à mon bureau. C'est bon? Eh bien, je m'en vais. Alors, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je vous dois toujours une photo. À très bientôt. Pardon, Flaco, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu as accepté que l'on signe avec Mike? Tu fais affaire avec lui là, alors que tu ne voulais plus entendre parler de lui? Non, mais... Non, ce qui se passe, c'est que c'est Mike. C'est lui qui est venu nous chercher pour jouer. En plus, c'est toi qui as accepté de signer le contrat, non? Ben oui, et je ne regrette rien, parce que ce concert-là, ce concert de Tropicana, c'est l'événement le plus important de Bogota. Et même si c'est ça le type qui nous a embauchés, le plus important, c'est que tout Bogota va nous entendre jouer partout en ville. Alors, c'est un bon accord, non? Ah oui, j'en suis sûre et certaine, tu sais. Et alors? C'est quoi cette voix? Oh, c'est très mignon. Cariño, cariñito, cariño. No, no. Cariño, cariñito, cariño.
Bravo! Eh ouais! C'était très bon! Très bon, c'est vrai. Vraiment, je vous félicite. Vous avez le rythme du diable dans la peau, messieurs. Ça, c'est mon chéri! Tu as été divin! Tu m'as presque fait pleurer! Merci, merci ma belle. Très bien, et maintenant, vous avez quelque chose de prévu? Au lit, à dormir. Non, 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 non. Comme vous n'avez absolument rien visité hier et aujourd'hui, on devrait aller explorer Montréal. Ouais! C'est cool. Roberto, tu viens? Non, je préférais me reposer, tu sais. Et toi? Ah, moi aussi j'y vais. Bien sûr, j'ai envie. Roberto a l'air de les avoir à l'envers, hein. Ouais. Alors on y va. Allez, messieurs, on y va. Allez, on y va. Ok, on y va, on y va, c'est parti. En parito. On va se régaler, vous allez voir. Oui. Ah, mon cher Flaco, tu es vraiment devenu mon meilleur ami. Un ami toujours inconditionnel, le plus fidèle, le plus doux, le plus amoureux. Vous voulez du vin? Bien sûr, non, je vais t'aider. Allez, ferme la bouche, sinon tu vas avaler les mouches. Tu es tombé amoureux d'Yoni, Flaco, pas vrai? Non, non, eh bien, je dois bien reconnaître qu'elle me plaît, mais amoureux comme très amoureux. Ah bien non, n'utilisons pas les grands mots. Ah, s'il te plaît, Flaco, on ne me la fait pas à moi. Cette tête de merlan frit que tu as est typique d'un amoureux transi. Mais rassure-toi, ton secret est bien gardé avec moi. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu continues à être comme ça avec Yoni, je peux t'assurer qu'elle va tomber comme un fruit mûr à tes pieds en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tu crois? Eh oui. Hey Ivancho, j'ai beau tourner et retourner le problème de Yeni dans tous les sens, je me demande si on tente pas de nous nuire d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que qui paie les pots cassés avec la vente des disques pirates? Eh bien c'est nous. Et deuxièmement, ça ne vous paraît pas bizarre à vous que juste au moment où on nous cède le bar, on retrouve de la drogue à l'intérieur? Tu sais que t'as raison, German, là, t'as parfaitement raison, là. Oui, et le pire là-dedans, c'est que les disques pirates continuent à se vendre comme des petits pains. Comment ça? Moi, je pensais que cette affaire allait être résolue avec l'arrestation d'Yeni. Il n'en est rien. Et pour te la faire courte, ce matin même, on nous a proposé 2 caisses de disques pirates de nos chansons. C'est là où ça devient vraiment étrange. Avec Yeni sous les verrous, cela aurait dû s'arrêter. Mais là, ça continue. Maintenant, si tu me donnes la permission, je vais là où on vend les disques pirates, et je vais mener mon enquête, pour voir qui est-ce. Quelqu'un va bien finir par parler ou nous dire qui fournit les disques. Et au passage, savoir qui a bien pu nous mettre la drogue, que cette personne peut être la même. L'inspecteur Barretta. Colombo. Barretta, mais bien décoiffé. Bon alors, sans plaisanter, vous allez m'autoriser à enquêter ou pas? Fais-le. Ok, c'est bon. Bon appétit. Alors, bon appétit, les gars. Toi aussi. Tu es devenu con ou quoi? Comment tu peux venir me menacer comme ça devant Yeni et les musiciens du groupe Onitsche? Ah, parce que tu m'as pas laissé d'autre choix, Flaco. J'avais besoin de signer dans l'urgence ce contrat avec eux afin de commencer la campagne de publicité pour le concert dès maintenant. Et voilà, et comme toi, tu es toujours fourré chez Yeni et en permanence avec elle ces derniers temps, et ben... Parce que t'es toujours en train de l'embêter et la pauvre est plus seule que jamais. Ah, Flaco, tu vas pas me la raconter à moi. Tu serais pas plutôt en train de placer ton intérêt pour elle au-dessus de ceux de nos affaires, non? Et depuis quand nos affaires consistent à placer de la drogue au Guaganco Palace pour salir la réputation de Yeni? De quoi tu me parles, là? Tu sais parfaitement bien de quoi je te parle. C'est pas beau ce que tu fais, Mike. Si seulement l'enquêteur s'était rendu compte de ce qui se passait, Yeni aurait pu passer tout le reste de sa vie sous les barreaux pour rien. Fort heureusement, Camilla s'en est rendu compte à temps et l'a vite jeté dans les toilettes. Voilà, Flaco. Là, vraiment, tu es en train de me parler chinois. Et au lieu de continuer à m'envoyer des insultes au visage, pourquoi tu n'ouvres pas les yeux? Tu te rendras compte que Yeni et les serveuses qui l'entourent ne sont rien d'autre que des louves déguisées en agneaux. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle possède un vaste réseau de revente de drogue au sein même du bar. Écoute, ne viens pas m'embrouiller avec tes histoires. Nous deux, on sait bien que c'est toi qui as organisé ce coup monté, et je t'avertis dès maintenant. Ou tu arrêtes maintenant, ou tu auras affaire à moi, Mike. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas me faire alors? Écoute, je te dénonce à la police, même si ça doit me couler. Je n'arrive vraiment pas à le croire, Flaco, vraiment. Tu es vraiment tombé amoureux d'Yeni. Alors, Flaco, sérieusement, tu es tombé amoureux d'Yeni? Mon Dieu, comment tu peux tomber amoureux d'une personne comme ça? Non, non, non. Enfin, elle n'est pas intéressée par un type comme toi, mon pote. Un type qui est fourbe, qui est faux. Un type qui est tricheur, qui est ambitieux. Tu crois vraiment qu'elle s'intéresse à toi? Ben, si elle s'est intéressée à un rat comme toi, pourquoi est-ce que moi je l'intéresserais pas? Tu es au courant maintenant. Ou bien tu arrêtes de suite, ou on coule tous les deux. Tu
Tu vas aller où comme ça avec cette valise? Je vous attendais depuis un moment pour vous dire au revoir, car depuis qu'on se connaît, je vous ai amené que des ennuis, alors j'ai pris la décision de retourner chez ma mère. Ben, nous avons le regret de t'informer que Marina est partie à Santa Marta et nous a demandé de prendre soin de toi. Et on lui a dit oui, avec grand plaisir. Évidemment, si tu veux partir à Santa Marta, eh bien tu peux le faire, hein. Nous souhaitons t'offrir l'opportunité de réaliser ton rêve ici avec nous. Maintenant que nous avons obtenu l'administration du bar de Yeni, ben, nous allons avoir beaucoup de travail. Et du travail, ça signifie de l'argent? Et ce dont tu as besoin, c'est de l'argent, pas vrai? Alors, le repas est bon ou pas? Très bon. Non, Flaco, s'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est trop salé, pas vrai? Oui, un peu. Non, ne le mange pas. Laisse. On va trinquer plutôt. Santé. Je trinque à l'amitié. Parce que toi, tu as toujours été là pour m'appuyer, prendre soin de moi. Et parce que je suis sûr que très prochainement, nos problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. J'en suis sûr. Santé. On prend à emporter? Bah oui. Non, en réalité, c'est oui. Juste le sel. Parce que pour le reste, c'était vraiment très bon. Oui. Le goût est parfait. Oui, je ne sais pas pourquoi. On va commander à emporter. Prends celui-là. Voilà. Alors Navarrete, tu as pu apprendre quelque chose? Non. Les vendeurs ne veulent rien me dire sur la personne à qui ils achètent les disques. Et je suis allé jusqu'à leur proposer d'acheter 2 caisses. Et rien n'y fait. Ah, rien du tout. Et je vais continuer à enquêter sur ça. Je vais trouver. Oui, monsieur, c'est bien cette adresse. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas la portion de pommes de terre et la salade. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonjour. Écoutez, j'appelle pour vous informer qu'un commerce falsifie les disques de musique dans la zone industrielle. Je vous donne l'adresse. Oui, mais ne tardez pas, s'il vous plaît, hein. Qu'est-ce qui lui arrive à mon chanteur préféré? Au maître de la mélodie, de l'amour, de l'allégresse. Pourquoi t'es triste, mon gars, hein? Ne me dis pas que tu penses encore à Amy, hein? Je peux pas te dire non, mon pote. C'est que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle m'a laissé, elle a même pas lutté pour nous, tu vois. Voilà, moi, je comprends que la perte du bébé, ça a été quelque chose de dur. Mais quand même, on avait toute la vie devant nous pour essayer, toute une vie devant nous pour améliorer les choses, non? Pourquoi, hein? Peut-être parce qu'elle ne t'aimait pas suffisamment. Saoul, dis-lui 2 mots, hein? Qu'il me gonfle à aller venir comme ça tout le temps. Je vais lui dire quoi, hein? Tu sais quoi, German? Tu crois vraiment que de tourner en rond comme ça, ça va nous servir à découvrir quelque chose? Je ne crois pas, mon gars. En plus, tu fais peur aux gens vêtus comme ça. Pourquoi tu n'attends pas plutôt que je découvre quelque chose de louche et ensuite tu enquêtes dessus? Ben, tu as aussi raison, hein. Parfois, le travail de terrain de l'informateur est plus important que celui du détective qui doit analyser les données recueillies. Oui, là, t'as parfaitement raison. Tu sais ce que je vais faire? Je vais fabriquer un plan de sécurité pour le bar. Mettre en place les tactiques. Bon, vas-y. Les tactiques. C'est une blague. Parce qu'on dirait... Parce que j'ai l'impression qu'il se prend véritablement pour un détective de très haut vol et ça lui tient à cœur. Il se prend... Il s'y croit complètement, ouais. Mais bon, j'espère que cette mise en scène qu'il nous fait ne va pas nous retomber dessus. Parce que nous allons être parents et je ne veux pas avoir une fausse couche à cause de toutes ces bêtises. Ou alors qu'il nous arrive un truc dans le genre. Il ne va rien arriver. Tu vois, moi je ne vais pas permettre que cela arrive. Ok, ça va, mais attention. Je te le promets. Voilà. Mais qui est ce joli bébé? Et on continue ici dans la Tropicale à faire plaisir à nos chers auditeurs. Alors on vous donne la parole en direct. Allô? Qui est en ligne et quelle chanson voudriez-vous écouter? Bonjour Mike, c'est Evaristo.
Monsieur Evaristo. Mais quelle joie de vous entendre, Monsieur Evaristo, fidèle auditeur de Tropical. Et comme ici, dans la Tropical, on connaît le goût de nos auditeurs les plus fidèles, nous savons déjà quelle chanson vous plaît. Alors, vous allez vous régaler avec la chanson « Celui qui offre et qui reprend ». Et on continue la conversation en privé. Allô, Evaristo ? Evaristo, c'est quoi ça ? Pourquoi tu m'appelles ici sur mon lieu de travail à la radio et au moment des appels en direct ? Comment ça, il y a eu une descente de police, hein ? Ils ont pris absolument tous les disques ? Attends, du calme, ils ont emprisonné quelqu'un ? Eh ben, heureusement. Et écoute, Evaristo, relaxe-toi, reste tranquille pour le moment. Pour le moment, disparaît, ne me rappelle pas. Je te trouve une planque, t'inquiète pas. Je vais voir ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Oui, du calme, on reste en contact. Disparaît, ne me rappelle pas, reste calme. Flaco, j'ai besoin que tu viennes immédiatement ici à la station de radio. Non, j'en ai rien à foutre de ce que t'es en train de faire. La police a découvert notre centre pirate de disques. Ils nous ont confisqué tous les disques et si tu ne viens pas ici me voir immédiatement, on va terminer tous les deux derrière les barreaux. Immédiatement, t'as compris ? Et Flaco ? Il a eu une urgence, mais dès qu'il pourra, il m'a dit qu'il reviendrait pour rester avec toi. Ah d'accord, merci. Le pauvre, il est extrêmement amoureux de toi, hein. Non, il est seulement un très bon ami. Ah, Yeni, enfin, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Aucun homme n'est aussi charmant avec une femme par amitié. Ils ont tous des intentions inavouées avec nous. En plus, ça se voit trop qu'il a envie d'être avec toi, Yeni. Bien sûr que non. Bien sûr que oui, tu vas me dire que tu ne le vois pas. T'hallucines, là. Ah, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, Yeni. Mais non. Non, je t'assure que non. Ah ok, ça, non. Si la patronne le dit. Et au fait, pourquoi tu n'es toujours pas allée au bar ? Bah parce que je suis en train d'attendre Camille, elle se prépare là-haut, elle met trois plombes. Oh non, Camilla ! Non. Ça va encore durer longtemps ? Ouf. Et alors, ça s'est bien passé la sortie ? Super, génial. Je trouve que Montréal est une ville très jolie et nous avons passé un très bon moment. Bien. Ça me réjouit que tu te sois amusée. Oui. Toi, en revanche, tu as voulu rester dans ta chambre pour ruminer, non ? Pas vrai ? Oui, je suis très bête, n'est-ce pas ? Oui, de la pure bêtise, oui, mon cœur. Oui, des bêtises, parce que tu vois, Lida a tout loisir de sortir avec qui elle veut et faire ce qu'elle a envie de faire. Bien sûr, mon amour. Et pour le sextuor, ne t'en fais pas, parce que si nous restons unis comme les doigts de la main, elle ne pourra pas nous faire du mal, c'est sûr. Oui, bien sûr, tu as raison. Voilà. Excuse-moi de m'emporter et d'être aussi méfiant avec elle, d'accord ? Non. Ah, mon amour, tout doux, viens là. Ah non, ma chérie, il va falloir qu'on trouve un filtre d'amour, parce que... Non, on n'assure vraiment pas, enfin... Regarde, tout le monde ici baigne dans un lieu d'amour et de romantisme, et nous, on est plus seuls que jamais. Eh, c'est bien triste, ah. Non. Tu sais pourquoi ? On ne voit bien que ce que l'on veut bien voir. Bah oui ! Nous, on est devenus transparents, ah, quoi. Ah, s'il te plaît. Vous ne comptez pas, hein. Vous êtes comme des petits frères ou comme nos cousins. Un peu de respect. Voilà, mon amour. Il faut goûter. Il faut pas seulement parler. Et moi, je peux être plus... Oh, dégage, Ringo. Non, que Dieu me garde et me protège. Oh, j'ai quand même des meilleures propositions. Ah, un peu de respect pour ton chocolat du Pacifique. On n'est ni les plus moches, ni les plus bêtes, hein. Ah, mes amis, désolé pour vous. C'est vrai que vous n'êtes pas les plus moches, mais c'est limite, hein. Pas vrai, Marie? Non, mais ce qu'il faut pas entendre... C'est vraiment limite. Et le petit homme que vous voyez ici, il a ses avantages, tu vois. Pour beaucoup, il est irrésistible. En rêve ? Ah bah moi, je crois que pour des petites vieilles aveugles ou borgnes ou qui ont des lunettes, ce serait bon, oui. Écoutez-la, celle-là. Alors, Diamantino. T'es magnifique. Oui. Diamantino. Quoi ? Regarde ça qui vient d'entrer. Ce sont pas les filles avec qui on avait flirté un peu ce matin au bar ? Les mêmes. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Allez, on va leur montrer à ces deux moches-là qui sont les deux beaux mecs du restaurant. Regardez, apprends. Non. Il n'y a pas moyen que vous arriviez à draguer. Vous allez encore revenir avec une tête de chien battu de ma maman. Alors ça va, les filles ? Eh, allez, venez, on
s'en va d'ici. Tiens, c'est toujours par là-bas qui va avoir un peu d'envie de toi. On va y aller. Ringo, t'as besoin d'une échelle? T'es mort, t'as envie d'être avec moi, t'es jalouse toi. Soyez pas trop jalouse, hein. On va rester célibataire comme deux en deux que nous sommes. Qu'est-ce que tu dis là? Au moins toi, t'as la consolation de savoir que bientôt tu vas retrouver Mia. Oh, j'espère que tu as raison. En revanche, moi, non, je suis destinée à mourir de tristesse pour un amour non partagé. Ah, ma chérie. Quoi, après si longtemps, tu es toujours amoureuse de mon frangin? Ouais, bien sûr. C'est comme un karma, comme une malédiction. Voilà, je m'étais résignée à ce qu'il ne se passe rien entre nous après avoir appris qu'Amy est enceinte d'un garçon d'Ivan. Voilà, j'avais même demandé à Dieu qu'il soit l'homme le plus heureux du monde. Mais bon, je crois que Dieu n'a pas écouté mes prières. Parce qu'il lui a enlevé son fils et éloigné Amy pour toujours. Ah, Marisol, et tu ne penses pas que peut-être c'est que Dieu veut que vous soyez ensemble tous les deux? S'il te plaît, bien sûr que non. Tu vois, en plus, je veux pas me faire d'illusions sur lui, ni sur aucun homme jamais plus de ma vie. Ah, mais arrête, tu dis n'importe quoi. De toute façon, c'est pareil. Tu exagères. Alors vraiment, c'est bon. Là. Arrête, je vais devenir bonne sœur. Bonne sœur. Ah, tu n'as pas une tête de bonne sœur, ça, crois-moi. Bien, bien. Parfait. Regarde. Bonne soirée, mademoiselle. Bonsoir, ça vous va bien? Ça va bien, merci. Ouais. Désolé d'interrompre le repas. Non, c'est pas grave. Mais depuis que je me suis levé ce matin, je brûlais d'envie de te dire que jamais je n'avais connu quelqu'un qui joue des congas comme tu le fais. Et je veux que tu saches que tu as tout mon respect et toute mon admiration. Merci. Voilà, c'est très aimable. Et je crois que, sans vouloir manquer de respect à tes compagnons, cette nuit, l'étoile du groupe, ça sera toi. N'exagérons pas. Bien sûr que oui. Mais bien sûr, c'est qu'elle est un peu timide, hein, il faut l'excuser. Je vous laisse tranquille. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit à tous. Au revoir. N'arrive pas. Tu vas voir ce qui va se passer si tu continues. L'étoile du jour. Je te vois venir. Il pense à toi depuis ce matin. J'entends tu pas. As toute son Arrête admiration. De tu te rends compte, mais c'est bon. On change de sujet, d'accord? Mm-hmm. Mais t'es tombée dans le flacon ou quoi? Juste un petit peu. Un petit peu ou un peu beaucoup? À peine pour sentir bon ce soir. Mm-hmm. Et alors? Alors tu vas où avec ce style si différent? Ben au bar, où j'irai sinon. Très bien, alors raconte-moi, quelle est ta proie? Ah, Yenny, personne. Quoi, tu crois que je vais croire que tu t'es habillée comme ça pour recevoir les alcooliques du bar? Non, ma jolie, je te connais comme ça. Comme les cinq doigts de la main, t'entends? Et toi, tu pars à la chasse. Ah, oui, d'accord. Allez, dis-moi qui est ta victime. Oui, Ivan. Ce qu'il y a, c'est que comme Ivan se sent si seul et si triste, ben, je voudrais aller l'aider. Je veux être l'épaule qui le réconforte. Et si j'en ai l'opportunité, eh bien, pour toute la vie. Oui, mais je pense que ce n'est pas comme ça. Tu vois, Camilla, ce n'est pas la bonne robe. Parce que si tu veux l'attirer, eh bien... Non, trouve autre chose, hein. Va regarder dans mon placard, si tu veux, et tu me diras. Et comme un muscle de ce que nous verrons lors du grand concert de la Tropicale, maintenant, nous allons écouter l'un des succès du groupe Nietzsche, Kali Hari. Comment ça que la police a découvert l'entrepôt où étaient les disques piratés? Voyons, Flaco, ne viens pas me dire que tu n'étais pas au courant de cette descente de police. Et si toi et moi, nous savons parfaitement que c'est toi qui nous a dénoncé. Non, ça c'est pas vrai. Moi, on me respecte, Mike. Parce que tu peux penser ce que tu veux, mais pas que je suis une balance. C'est bon, du calme. Ne viens pas sur mon lieu de travail me donner des leçons de morale. Moi, je ne suis pas en train de te juger, mon gars. Finalement, ce n'est pas si grave que ça parce que l'affaire n'était plus aussi bonne qu'au début. Et c'est peut-être pas plus mal ce qui arrive. L'affaire périclitée ces derniers temps, regarde. Voilà. Ça, c'est ta part de bénéfice de la semaine dernière. Et tu te rendras compte que ce n'est même pas le cinquième de ce que nous avions gagné il y a encore un an. Mais il y a une chose que je veux tirer au clair. Les affaires sont les affaires. Et aucune femme, qu'elle s'appelle Yenny, que tu sois amoureux ou que moi j'en pince, aucune femme ne peut influencer nos affaires, c'est bien compris. Non, attends, avant de parler, je veux terminer. Et pour que tu comprennes bien, que je te parle sérieusement, je veux t'expliquer ici, maintenant et à ce moment précis, que je te promets définitivement que je ne l'embêterai plus jamais. C'est d'accord?
Ah, Flaco, allez enfin, mon gars, tranquille. Ok, ça va, c'est d'accord. Mais arrêtons de nous battre, faisons le contraire, gagnons du pognon. Mais tu peux croire, le business que je veux faire avec toi va nous permettre de nous en mettre plein les poches. Je vais te donner dès maintenant un bon coup. J'ai connu une fille, chanteuse, son nom artistique c'est Valérie. La fille est un peu nerveuse, mais on s'en fout, elle est d'accord pour faire tout ce qu'on lui demande pourvu qu'elle devienne célèbre. Et elle veut que nous managions sa carrière. Alors viens, je veux te la présenter tout de suite. Non, 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 je ne peux pas maintenant. Je dois retourner au bar. Il n'y a aucun problème, je viendrai avec elle ce soir et je te la présenterai. D'accord, ça va, on se voit là-bas. Ok, parfait, on se verra là-bas. Voilà le terrain. Et ce hall, c'est le périmètre à surveiller. Vous serez ici debout en permanence. Là, vous allez fouiller tout le monde systématiquement. Mais en faisant bien attention avec beaucoup de respect, surtout avec les femmes. Mais ici, aucune arme et aucun paquet de drogue ne rentrera dans ce bar, ni aucune de ces cochonneries, ni aucune mineure. Oui, bien sûr. C'est bien clair pour vous ? Ok. Allez, messieurs, je compte sur vous, au travail. Vous ne servez pas d'alcool à ces messieurs. Alors, on part. Oui, Amadeo. Est-ce qu'on peut se réunir avec Roberto, là, maintenant ? Ah oui, si tu veux. Assieds-toi là, s'il te plaît. Roberto, on peut parler un petit moment ? Ben voilà. Si c'est quelque chose qui a à voir avec Lida, je ne préfère pas, d'accord ? Non. Ça n'a rien à voir avec ça, non. Moi, je voulais simplement vous remercier tous les deux pour tout ce que vous avez fait ces derniers mois pour ma petite sœur et pour moi. Parce que si vous n'aviez pas été là pour nous, jamais, jamais nous n'aurions pu être ici ce soir sans votre aide et votre soutien, hein ? Et je serais probablement mort, mon cher Roberto. Et pour rien au monde, je ne gâcherai cette seconde opportunité que m'a offert la vie, ça jamais. Voilà, c'est tout. Alors, tous les deux, vous pouvez être sûrs que moi, je ne vous décevrai pas. Ce ne sera jamais le cas. C'est très joli ce que tu nous dis là, Amadeo. Merci. On te remercie. Merci. Amadeo, voilà. Mon seul souci, c'est celui de préserver le sextet. Voilà, c'est tout. Je ne voudrais pas qu'à cause de Lida, tout s'arrête d'un coup. Ça n'arrivera pas. Mais bien sûr que ça n'arrivera pas. Parce que moi, je ne vais pas le permettre. Et j'ai besoin que tous les deux vous envoyiez des ondes positives, que vous vous relaxiez et profitiez, parce que j'ai le pressentiment, et bien que cette nuit, nous allons triompher. On va tout donner, ouais. On va tout casser. Eh ben les garçons, on est venus ici pourquoi, dites-moi, hein ? On va mettre le feu au stade. Ah, c'est ouais ça l'esprit. On va tout casser. Comment dire, on va casser la baraque. Eh, lâche-moi maintenant, hein. Pourquoi tu dois me fouiller de partout, mon gars, hein? Ah, c'est quoi oui, cette oui histoire-là? Les garçons, il ne faut pas fouiller ces personnes parce qu'ils font partie des musiciens de l'orchestre. Alors, c'est qui, eux? Ce sont les vigiles que German a recrutés pour éviter les problèmes comme la drogue, d'accord, la vente de disques, bon. Mais vraiment désolé. Là, quand même, c'est trop de précautions. Enfin, c'est exagéré. Non, 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 Hortensia, c'est pas le c'est cas. Bon. Parce que, vu au rythme où vont les choses, vaut mieux pêcher par excès de précaution que par manque. Mais c'est une fouille poussée, là. Mais il a raison, c'est vrai. Allons-y. Eh, Ivan, attends. Aujourd'hui aussi, tu peux me dédier une chanson ? Ouais, pourquoi pas ? Et on pourrait ensuite danser un petit peu ? Ah, alors, ça, je crois pas que ce soit possible. Et pourquoi pas ? Parce que je veux pas que tu t'imagines ce qui n'existe pas. Je comprends pas, comment ça ? Tu vois, toi, tu me plais parce que t'es vraiment une amie super, mais rien de plus, d'accord ? Non, je ne comprends pas. C'est que je veux pas que tu te fasses des illusions sur mon compte, parce que moi, en ce moment, je cherche pas à me mettre en couple. Voilà, c'est tout, tu me comprends ? Ah, ok. Ouais, je suis désolé, mais voilà, je préfère arrêter tout dès le début avant qu'il n'y ait des malentendus, tu vois. Ok. Eh bien, je voulais vous dire que Yuniko Astromo. D'accord. Nouvelle administration, nouvelle manière. Les changements sont bienvenus si c'est pour s'améliorer. Merci. Merci. Santé. Santé. Maintenant, c'est quoi le problème ? Ah, si, on est dans le salon. Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles. Grâce à un informateur anonyme, nous nous sommes rendus dans le centre où les disques du groupe Nietzsche étaient piratés. Et c'est pour cette raison que le juge chargé de l'affaire a déclaré un non-lieu. Il nous a ordonné de vous laisser en liberté. Yeni, j'en ai immédiatement informé votre avocat. Mais j'ai voulu venir en personne pour vous donner la bonne nouvelle. Il ne reste plus qu'à signer ces quelques documents. Et c'est bon. Seulement la routine. Autre chose ? Non, c'est suffisant avec ce papier. Et vous ? Vous n'êtes pas contente ? Ben,
Plus que d'être contente, je suis soulagée parce que j'ai toujours su que j'étais innocente. Mais à la grande différence que maintenant toutes les autorités sont au courant. Et vous savez sans doute qui était à la tête de ce réseau commercial criminel, n'est-ce pas ? Non, non, malheureusement ce n'est pas le cas. Quand nous avons effectué la descente, il n'y avait personne. Mais je vous promets, Yeni, que nous allons aller au fond de cette histoire. Eh bien, j'espère bien. Parce que moi, je suis sûre que c'est la même personne qui m'a incriminée avec la présence de drogue dans le bar. Et je ne vais pas pouvoir dormir tranquille si cette personne reste en liberté. C'est pas possible, c'est que on veut ça. Messieurs, c'est pas fait. Messieurs, écoutez, bonsoir. Là, là, du calme. On connaît ces personnes dans le bar et nous savons qu'elles sont majeures et sont des clientes régulières. Alors laissez-les entrer, s'il vous plaît. Oui, il faut se détendre, les gars. Bah, quoi ? C'est quoi tout ce raffut ? Il se passe quoi ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces gorilles ne laissent pas entrer ces femmes parce qu'elles n'ont pas de pièce d'identité. Hein ? Pardon, pardon, pardon. Pardon un petit moment. Tout d'abord, un peu de respect pour ces travailleurs. C'est bien clair ? C'est pas des gorilles. Ce sont des agents de police très respectables et professionnels. Deuxièmement, ils ont pour consigne de ne laisser passer personne qui n'ait aucun document. Et ces filles n'en ont pas. Alors elles n'entrent pas. Un point, c'est tout, voilà. Enfin, quand même, mon petit German, tu les connais, tu les as déjà vues ici et tu sais parfaitement bien qu'elles sont majeures. Parce que moi, je le sais, mais pas la police. Et excusez-moi, mais la police arrive ici, elle fait une descente, vérifie les papiers et qui perd ? La police les sort et qui a le bar fermé ? Qui va devoir payer l'amende ? Ah, eh bien, c'est nous. Mais enfin, nous sommes toujours venus ici. Je le sais, mais comprenez-moi. Vous dites que c'est plus possible. Je viens de vous le dire. Silence. Eh bien, même si c'est difficile de l'admettre, German a tout à fait raison. Mesdames, allez chercher vos papiers et voilà, je vous promets que la première tournée de bière, c'est moi qui la paye, ok ? Je vous paierai même le taxi. Allez-y. S'il paye le taxi, alors ça va. Ok. Bien, on va aller jouer. Inspecteur, on y va. Inspecteur ! Eh ben, c'est bien. Ah oui, je peux. Et alors ? Ouais ! Bravo ! Bravo ! Salut ! Je ne parle pas très bien l'anglais, mais je tiens à dire que la musique, c'est le langage universel. Alors, je vous parlerai dans ma langue maternelle. Pour nous autres, le Sextueur Abakois, c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir être avec vous ici, pour le festival de jazz le plus important du monde. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous la plus belle expression et représentation de notre culture, qu'est la salsa, et qui peut être partagée entre nous tous. C'est pour toi, Michel. 1, 2, 1, 2, 3. Pardon, il faut qu'on vous fouille, s'il vous plaît. Une fouille ? Non. Je vais pas me laisser toucher de partout comme ça. Allez, on va passer la soirée ailleurs, ma chérie. C'est non, non, restons là, Mike, s'il te plaît. Laissons-nous fouiller. Non, mais pourquoi se faire fouiller, mon amant, si ça n'existait pas avant, bon sang ? Ah, oh, qu'est-ce que ça fait ? Moi, pour connaître ton ami producteur, je me laisse fouiller même par Rayon X. Ok, parfait. Alors, content ? Vous voulez pas un baiser non plus ? Hé, ah. Hey, Flaco ! Quelle joie de te voir, mon ami. Voilà, bon, c'était Valé, la chanteuse dont je t'ai parlé. Bonjour, comment allez-vous ? Valé Ortiz. Je te sens un peu stressé. Prends-toi un petit verre pour que tu te calmes. Voilà, Mike. Je vais pas parler avec toi comme si on était les meilleurs amis du monde en public, hein ? Hé, hey, du calme. Alors, je vous laisse seul pour que vous fassiez connaissance, hein ? Ben voilà, je vous laisse. Assieds-toi, s'il te plaît. Là. Et tu veux prendre quelque chose ? Oui, un whisky. C'est moi qui invite. Ah oui ? Eliana, un verre de whisky, hein ? Plutôt une bouteille de whisky. Une bouteille ? Mais tu penses me saouler ou quoi ? Peut-être. Et avec nous, Rengo et Diomara. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bravo. On y retourne, les amis, la fête continue. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
bien, et toi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je voudrais que tu m'aides à devenir une très grande chanteuse de variété. En une véritable étoile. Mike m'a dit que tu es le producteur musical le plus important de ce pays. Eh bien, je sais pas si je suis plus important, mais j'ai beaucoup d'expérience. Et de toute manière, voilà, il faut avant tout que je t'entende chanter. Oui, il n'y a aucun problème pour ce qui me concerne. Et allons tout de suite à ta maison et je te fais un show rien que pour toi. Non, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux que nous nous voyons demain à Colricor. Oh non, ne sois pas si ennuyeux. Pourquoi attendre demain? En plus, avec tous ces gens autour de moi, je vais vraiment me sentir mal. Allons à ta maison et je te montre... Tu vois toute l'étendue de mes talents. Attends-moi 5 minutes, je dois aller parler à l'un de mes chanteurs. Je reviens, ne bouge pas. Germaine, excuse-moi, mais je dois prendre conseil auprès d'Ivan au sujet d'un petit... Mais moi, je me suis rendu compte peu à peu que ce qu'elle veut, en réalité... Non. Excuse-moi, Flaco, mais... Mets du cœur à l'ouvrage, allez. Non. C'est que cela doit arriver tout le temps en tant qu'artiste, ces choses-là. Mais moi, à l'âge que j'ai désormais, une femme aussi magnifique et aussi jeune, avec tout ce qu'elle me dit, je sais pas quoi faire, moi. Et quel est le problème, alors? Ben, le problème, c'est que... Mon cœur est déjà pris par une autre, une femme qui me fait voir la vie en rose, et je veux pas la perdre. Ah non, mon ami, là je comprends, j'ai pigé. Bon bah dis-lui en face et sans détour, tu lui dis cash. Et Flaco, il faudrait pas que parce que tu veux être poli, que tu perdes finalement la femme qui réellement t'intéresse. Tu penses? Ouais. Ah, je pense à la même chose, merci du conseil mon cher Ivan. Alors, on va chez toi ou pas? Voilà. Valet, tu t'appelles comme ça, pas vrai? Tu es une très jolie fille, une femme spectaculaire. Je me sens très honoré par le fait que tu veux que je te représente, hein? Oui. Le problème, c'est que moi, je suis pas spécialiste de la variété. Je suis producteur, mais de musique type salsa, tu sais. Oh, quel dommage. Je mourrais d'envie de te faire une démonstration très intime et privée de l'ensemble de mes talents. Mais bon, voilà. Si tu as d'autres priorités dans la vie, je ne peux rien faire. Bah oui, pas moyen. Mais on va quand même trinquer avant que je m'en aille, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Santé, allez. Santé. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Viens par là. Amparo, Roberto. Non. Voilà, ah, grâce à Dieu, cadeau. Tu as pu démontrer ta bonne foi, c'est bien. Ma chère Amparo, je suis extrêmement heureux. Amadeo, alors? Hey, ça c'est pour la reine de cette soirée, ouais. Mon amour. Merci, mon amour. C'est beau tout ça. Oh, Lida, ma chérie. Quelle belle soirée, Alain. Et voilà quelques tulipes pour la plus belle femme de cette soirée. Vraiment, tu as rendu ce moment merveilleux. Merci. C'était merveilleux. Ah, wow. Je sais pas à quel moment je me suis saoulé. Oh. Ça va? Tu te sens pas bien? Tu veux qu'on aille prendre un peu l'air? Oui, s'il te plaît. Je me sens pas bien. Tranquille, ne résiste pas. Je meurs d'envie d'être avec toi. Je veux pas que tu souffres. Je n'arrête pas de penser à toi tout le temps, sans interruption. Toi aussi, tu me plais beaucoup.